Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo lecture manga. Voilà, je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mangas voilà, que j'ai lus. Deux très bonnes découvertes, je crois. Il y a vraiment de très bons mangas que j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être une ou deux que j'ai pas trop adhéré, mais voilà. Donc tout d'abord, j'ai lu Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta, donc c'est chez Kana. Une nouvelle sortie qui est sortie en juillet, je crois, et que j'ai complètement adoré. C'est vraiment un sujet, un thème en fait, qui tourne autour de être soi-même en fait, simplement. Ne pas se cacher derrière un masque pour qu'on puisse aimer, pour que les autres en fait puissent vous aimer, tout simplement. Et j'ai adoré ce sujet. Je vais lire le tome 2 très bientôt. Les dessins sont vraiment très beaux, j'adore. Les dessins sont vraiment, vraiment très, très beaux. Bah personnellement, moi j'adore les dessins. Je sais pas, on voit pas, j'apprends simplement qu'on voit ce que je montre. Voilà. Après, peut-être que c'est. Je sais pas, moi j'ai adoré en tout cas personnellement. J'ai pas trouvé ça hyper rapide. Et aussi, ça tourne aussi de l'art. Voilà. Les deux personnages principaux tournent autour de l'art. Et c'est vraiment trop trop bien. Donc en fait, voilà. C'est ce personnage-là en fait, donc Chitose, voilà, qui en fait s'est façonné un masque en fait. Elle se cache tout derrière ce masque pour que les gens l'aiment tout simplement. Et elle va rencontrer en fait ce garçon-là qui est un peu le tout contraire d'elle, qui dit vraiment les choses directes parce qu'elle a blessé les gens. Et elle va se retrouver un petit peu, voilà, elle va tomber un petit peu amoureuse de lui. Mais lui, c'est pas vraiment son truc hein, pour l'instant, il n'a pas ça en tête. Et voilà, donc on découvre en fait leur relation et j'ai adoré vraiment ce premier tome-là. J'ai relu le tome Coffee and Vanilla de Takara Agemi, donc c'est chez Soleil Manga, que j'ai adoré. Voilà, j'avais lu en scan, j'ai voulu l'avoir vraiment en manga papier et je suis trop contente de l'avoir parce qu'il est vraiment trop beau en main et l'histoire est aussi géniale. Donc en fait, c'est tout simplement l'histoire de Rissa en fait, qui est une étudiante. Qui se fait beaucoup accoster, parce qu'elle est très jolie. Enfin, avant elle était pas trop jolie, mais maintenant elle a pris un peu plus confiance en elle, on va dire. Et il y a beaucoup de garçons l'accostent, etc. Mais elle, ça m'intéresse, mais en même temps, elle cherche en fait le grand amour. C'est pas des relations comme ça qu'elle cherche. Et en fait, un jour, elle va sortir d'un café et il va voir un garçon qui va l'accoster et elle va le rejeter. Mais le gars, il insiste, il insiste, il insiste. Et il va y avoir en fait ce gars-là qui va lui porter secours. Et à partir de ce moment-là, une relation va se passer entre eux. Enfin, la relation va commencer en fait. Et j'ai adoré. Après, c'est vrai que c'est très très rapide. J'ai vu que le manga n'est pas fini. Donc il y a 6 tomes qui sont sortis au Japon. Et je trouve que dans ce premier tome-là, en fait, c'est très très rapide. On n'en sait vraiment pas énormément sur ce personnage-là. Donc voilà, il me fait vraiment beaucoup douter, mais j'ai vraiment adoré. Après, j'ai vu que c'était plus shoujo, mais moi je le mettrais plus dans la catégorie josei, parce qu'il y a quand même des scènes assez, quand même, des scènes quand même, voilà, explicites. Et voilà, j'ai envie de vous dire. C'est assez adulte, hein, tout simplement. Donc voilà, après les dessins, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adhéré, hein, tout simplement. Voilà. Franchement, j'adore. J'ai très hâte de lire le deuxième tome. Donc, enfin, j'ai commencé à lire en fait le deuxième tome en scan. Après, mais j'ai vu qu'il sortait en manga. Donc, voilà. Je sais pas si je continuerai à lire les scans parce que j'ai très très hâte en fait de lire la suite. Mais vu que c'est toujours une série qui est en cours, donc. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Chicky Love. Donc c'est de Mitsubashi Miyuki que j'ai adoré. Ce tome m'a vraiment fait rire. J'ai vraiment passé un très très bon moment en la compagnie de ces deux personnages-là. Surtout lui-là. Mais comment j'adore trop. Donc voilà, là c'est vraiment voilà, la relation et évolue de plus en plus. Mais il y a elle voilà, qui ne... Comment vous dire ça? Elle fait pas confiance en fait à lui parce que voilà, il est beau, il a vraiment beaucoup de filles autour d'elle et elle croit que voilà, lui c'est juste pour s'amuser et qu'il n'est pas sérieux. Et en fait, compte si, il est très très sérieux et j'adore ses rapprochements. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce troisième tome là. J'ai très hâte de lire vraiment la suite. Franchement, je pensais pas aimer autant
ce manga parce que j'étais ça. Je pense que je vous l'avais dit dans les autres vidéos, mais pour moi c'était un manga shoujo vite fait, voilà comme ça. Et puis en fin de compte, franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai lu le tome 9 de Say I Love You, donc c'est de Kanae Azuki, que j'ai bien aimé, mais voilà, c'est un peu moins bon que les autres tomes, je trouve. Là, on s'attarde en fait surtout sur le frère de lui là. Donc, je sais plus comment il s'appelle en plus. Yamato, voilà. De Yamato, donc on s'attarde sur son histoire à lui. Personnellement, ça m'a pas trop intéressé. Après, peut-être que voilà, si l'auteur a développé un petit peu plus son personnage et son histoire, peut-être qu'il ouais, il va peut-être dans les prochains tomes avoir un rôle à jouer peut-être important. Donc voilà, après leurs deux relations à eux, bah, ça commence à être vraiment très. Ils sont confiants l'un envers l'autre, donc voilà. J'ai très hâte de lire la suite. Parce qu'il paraît dans le tome 9, dans le tome 10, excusez-moi, dans le tome 10, il va y avoir une relation, leur relation va très très évoluer. Peut-être qu'ils vont sauter le pas ou pas. Très hâte de voir tout ça. Ensuite, j'ai lu The Black Kate Fall in Love de Ruri Fujikawa, donc c'est un yaoi que j'ai vraiment bien aimé. Donc en fait, c'est l'histoire de ce jeune homme-là qui est le voisin de cet homme. Voilà, ils ont déjà une très grande une différence d'âge. Lui, il est au lycée, lui, c'est vraiment un auteur voilà, qui travaille, il a 30 ans, etc. Et en fait, ils sont voisins et un jour, lui, il va se retrouver en fait, il va retrouver en fait un chat sous la pluie. Ils vont être les deux, le chat et lui vont être mouillés. Bah, lui, il va voir ça et il va tout de suite dire, bah, venez chez moi, etc. Vous n'allez pas rester là, vous allez attraper froid. À partir de ce moment-là, eh ben, il va y avoir une relation. Ça va vraiment, c'est quand même assez rapide. Hein. Clairement, c'est assez rapide quand même. Ah oui, très rapide. Parce qu'en fait, lui est amoureux secrètement de cet homme-là. Il va tout de suite lui faire sa déclaration, mais lui, il va pas y croire. Il va dire, bon, c'est la jeunesse, c'est les hormones, il sait pas qu'est-ce que c'est vraiment une relation entre les deux hommes, entre hommes, etc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont aussi pas mal. Voilà. Donc voilà pour ce manga-là que j'avais acheté à la Japan Expo et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Assassin de Hiroshisa Sato, donc c'est chez Kumiko, que j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport au premier tome. Le premier tome, j'étais un petit peu mitigée parce que voilà, c'était vraiment les bases. L'auteur nous mettait les bases de l'histoire, etc. Là, franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait la relation de ces deux personnages-là parce que elle, voilà, c'est comme si elle avait pris un rôle un petit peu maternel envers cet orphelin. Lui, en fait, il veut vraiment tuer et elle a dit non, il faut pas qu'il ait comment dire ça, qu'il ait cette arme en main pour pas qu'il puisse devenir comme elle en fait. Elle essaye par tous les moyens de l'empêcher, mais lui il veut vraiment se venger. On va avoir ce flic un peu véreux là. Il va y avoir une alliance assez inhabituelle qui va se faire entre le flic véreux et l'enfant. Voilà, donc ça s'est mis en 3 tomes. J'ai très hâte de voir comment cette histoire va se terminer. À ce qui paraît, ça va pas vraiment se terminer hyper bien. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Ajin de Gamon Sakurai chez Glénat, que je ne continuerai pas. Je vous ai dit que c'est pas mon genre. Enfin, le premier tome, j'ai vraiment pas aimé. Il y avait un personnage qui m'intriguait, que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais après, l'histoire en elle-même m'a pas en manga. Parce que voilà, je vous le dis, je vais le regarder en animé. Je pense qu'en animé, ça va vraiment, vraiment beaucoup plus le faire. Les scènes d'action, les scènes de combat, les scènes de transformation, je pense que ça va vraiment plus m'intéresser qu'en manga. Normalement, c'est plus les mangas qui sont mieux que l'animé. Mais là, clairement, c'est vraiment l'animé qui m'attire plus que le manga. C'est vraiment pas mon style. Il manque, voilà, il y a vraiment des bons trucs, les dessins sont vraiment pas mal, mais je pense qu'en animation, ça va plus m'attirer, vraiment. Donc voilà pour Ajin, donc c'est une série que je vais arrêter, hein.
Ensuite, j'ai lu la saison 1 de Private Teacher de Yu Moegi, donc la saison 1 que j'ai vraiment bien aimée. Les dessins sont pas mal. Il y a trois histoires sur trois couples différents et c'est toujours autour en fait d'une relation professeur-élève. Voilà, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. On passe vraiment un bon moment en fait en lisant ce petit yaoi. Voilà, il y a des scènes assez. Oui, il y a des scènes explicites, donc voilà, c'est pas du yaoi soft, hein, clairement. Mais j'ai bien aimé aussi celui-là. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Nuisible de Masaya Okazono et Yu Satomi, donc c'est chez Kana, que j'ai bien aimé, mais si vous aimez pas les insectes, je vous recommande, mais vraiment pas de lire ce manga-là parce que. Dans ce tome 2 là, les insectes qu'il y a, moi j'en pouvais plus, hein. Moi je déteste les insectes, je déteste les araignées, je déteste tout ce qui est rampant. Mais alors là, il n'y avait que ça dans ce deuxième tome là, j'en pouvais plus. La fille là qui est hyper bizarre, la fille qui est hyper bizarre, c'est juste pas possible. Hein. En fait, on sait maintenant en fait, qu'il y a eu une. Pourquoi elle est devenue. Pourquoi elle est comme ça, d'où elle vient, etc. En fait, c'est pas vraiment fantastique, c'est vraiment. Des expériences en fait scientifiques qu'ils ont fait, ils ont modifié son ADN. Ils ont modifié son ADN et c'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Et elle veut vivre avec les humains, mais elle ne peut pas. Elle peut pas parce que elle a vraiment des trucs, des phéromones, qui en fait attirent les insectes et tout. Elle est très dangereuse, même si elle veut pas être dangereuse, elle est très dangereuse. Elle a vraiment un comportement hyper bizarre qui m'a vraiment saoulée en fait dans ce deuxième tome là. Hyper égoïste. Elle tue des gens, mais c'est tout à fait normal. Elle veut être avec le gars. Enfin bref, voilà. C'est vraiment très très complexe hein, ce manga-là. Ça se termine en trois tomes. Je l'achèterai et je lirai le troisième tome pour vous parler de la fin de cette série. Mais si vous n'aimez pas les insectes, ne lisez pas celui-là parce que c'est très horrifique. Les traits des dessins, voilà, sont très voilà, c'est très fin et il y a plein de. Oh là là, regardez ça. Il y a plein de bêtes, d'insectes, tout ça. Oh là là. Il y avait des moments où j'ai dû reposer le manga parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment des insectes sur moi. Enfin bref. Et ensuite pour terminer, donc j'ai lu le troisième tome de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata chez Akata. Donc ça se termine bien, voilà. Mais c'est une série bof. Bof. Franchement, je m'attendais à autre chose. Je voulais une autre fin. Je voulais autre chose. Et. C'est une série vraiment pas hyper géniale. Hein. Franchement, le dénouement de l'histoire, elle est vraiment très simple. C'est dommage, l'auteur aurait pu un petit peu faire des petites variations, etc. Pour que ça change en fait, voilà. Faut pas qu'il y ait une sorte de happy ending. Mais en même temps, voilà, j'ai bien aimé le fait est que, voilà, pourquoi un personnage devient comme ça. Si elle devient pas comme ça pour rien. Il y a beaucoup de choses. Autour d'elle qui fait qu'elle devient comme ça et voilà mais en gros c'est pas une série extraordinaire clairement voilà donc ensuite là ce que je vais lire ça va être le tome 7 de l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi que j'ai très hâte de lire clairement parce que c'est une série que j'ai mis un petit peu un frein parce qu'il y avait cette autre série là Les Fleurs du Mal que j'ai commencé à lire et j'étais vraiment fond dedans. Et cette série-là, je l'ai mis en pause en fait. Donc voilà, j'ai très hâte de me replonger dans cette histoire qui, personnellement, moi, j'adhère absolument. Donc voilà pour ça. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu quand même beaucoup bégayé, je trouve, dans cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué clairement. Excusez-moi si. Voilà, par rapport à tout ça. Dans tous les cas, dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très 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 bientôt. Bye! I'm living good, yo.